Ce sont des confidences qui vont aider les fans d'ici tout commence à comprendre dans quelle situation se trouve Salomé. En effet, l'actrice qui joue son rôle, Aurélie Pons, a donné une interview à Téléstar, à retrouver dans son intégralité le lundi 28 novembre. Elle revient ainsi sur sa relation avec Thomas et fait d'étonnantes révélations. Elle va prendre la décision de ne plus assister au module dispensé par Thomas, et, par conséquent, mettre en danger sa carrière, commence-t-elle par dévoiler avant de confier, si est-il à ce moment-là qu'ils vont s'embrasser. Ce baiser va être très mal pris par Kelly et Laetitia, Kelly va très mal réagir, confie Aurélie Pons. Ses relations avec son père sont très compliquées. Salomé va se sentir très mal par rapport à sa nièce. Et puis dans un second temps, si est-il Laetitia qui va découvrir cette relation et elle aussi va s'y opposer. Une situation bien difficile à gérer pour Salomé qui se retrouve dans une histoire complexe. Si est-il très compliqué pour elle. Salomé partait pourtant avec de très bonnes intentions. Elle voulait en mettre plein la vue à Thomas car elle était très remontée contre lui par loyauté envers sa sœur et sa nièce. Aurélie Pons, Salomé cesse d'affirmer. Elle a plus de caractère et d'humour qu'à son arrivée à l'Institut. Aurélie Pons va alors plus loin dans son explication, mais elle se rend compte qu'il est plutôt sympa et plutôt beau gosse et cette attirance est plus forte qu'elle. Quant à l'évolution de son personnage, l'actrice est très contente de ce que devient Salomé, « Je suis très heureuse. » Salomé cesse d'affirmer. Elle a plus de caractère et d'humour qu'à son arrivée à l'Institut. Les téléspectateurs ont déjà hâte de voir la suite. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Téléstar, ce lundi 28 novembre.